Ce soir, les amis, j'aimerais vous apporter un message de saison. Et tout le monde peut dire que c'est la bonne saison. Oh là! On se réveille, les amis. Tout le monde peut dire que c'est la bonne saison? Yes, yes. Est-ce que ça vous encourage de savoir que c'est la bonne saison? C'est important, hein? Et en plus, c'est important parce que mon message de ce soir, c'est un message d'encouragement. Donc, je suis content que vous soyez encouragés, puis j'aurais mal commencé autrement. Donc, j'aimerais vous dire, c'est la bonne saison. Nous sommes dans une saison de réveil. Nous sommes dans une saison où l'Éternel veut manifester sa gloire, sa puissance dans nos vies, comme jamais. Ce soir, le titre de mon message, c'est « Sèche tes larmes, ça s'en vient ». Église, dis à quelqu'un, « Sèche tes larmes, ça s'en vient ». Que tout le monde puisse se retourner vers Marc et lui dire « Marc, sèche tes larmes, ça s'en vient. » Merci Père, parce que tu vas ouvrir nos oreilles ce soir, tu vas ouvrir nos yeux spirituels, tu vas ouvrir nos cœurs. Je te prie Jésus de libérer des rémas dans ce lieu ce soir. Qu'on puisse entendre, saisir ta parole, saisir ce que tu veux nous dire, nous révéler au travers de ton esprit. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies Seigneur, comme il l'est dans les cieux. Et que tous connaissent, Seigneur, que tu es le Christ, le Messie, le oint de Dieu. Merci parce que toutes choses sont dans tes mains et nous voulons rendre gloire à ton nom maintenant, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, ce soir, j'aimerais vous emmener dans un texte de l'Ancien Testament. Un texte qui sera pris dans le livre d'Agé. Donc, c'est pas que c'est un vieux livre, hein, c'est le titre, c'est le nom du bonhomme, il s'appelait Agé, et c'est un texte qui parle de la construction du temple de Dieu. Et vous savez qu'à l'époque, en tout cas, le temple était au cœur de la vie du peuple d'Israël. D'accord? Et à quelque part, c'est intéressant parce que le temple est au cœur de nos vies spirituelles, également. Vous savez que la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc c'est mieux que nos corps, tu sais que le temple soit au cœur de nos vies. Hein. Quand tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit, autrement, t'es un petit peu désincarné de toi-même. Et en plus, il dit que nous sommes des pierres vivantes et nous formons ensemble un édifice spirituel. Donc le temple est toujours très important. Et lorsqu'on lit dans le premier chapitre du livre d'Agé, en fait, il nous est dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué et du reste du peuple. D'accord? Ça commence par là. Par le Seigneur qui réveille l'esprit. Donc comprenons bien, on n'est pas en train, en lisant ce livre, on n'est pas en train de lire l'histoire d'un chantier, l'histoire d'une construction. On n'est pas en train juste de parler d'un peuple qui va reconstruire un bâtiment physique. On est en train de parler d'un réveil spirituel, d'un mouvement que Dieu opère dans son peuple. Ça marche? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, parce que c'est le moment. D'accord, j'espère que ça va aussi pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux. On va pouvoir prendre le texte volontiers, Simon, si tu peux mettre le texte biblique dans Agé au chapitre 2. On va lire les versets 1 à 9 où il est écrit... Elle est vraiment grande, hein, Sandrine, vous avez vu la hauteur du micro, là. Alors, la même année, la deuxième année où Darius était roi, le septième mois, le 21 du mois, c'est très précis, hein, le Seigneur demande de nouveau au prophète Agé de parler de sa part. Il lui dit d'adresser ce message au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Yosadak, et à tous ceux qui sont revenus d'exil. Est-ce que l'un de vous se souvient encore de la beauté de l'ancien temple? Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Il n'en reste rien. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, je vous déclare, courage, Zorobabel, courage, Josué, fils de Yosadak, toi qui es le grand prêtre, courage, tous les gens du pays, mettez-vous au travail, je suis avec vous, je vous le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Je vous ai fait cette promesse quand vous êtes sortis d'Égypte et mon esprit se tient au milieu de vous. N'ayez pas peur. Oui, voici ce que je dis, moi, le Seigneur de l'univers. Dans peu de temps, je vais secouer le ciel et la terre, la mer et la terre solide. Je vais bouleverser les autres peuples. Leurs richesses arriveront ici en grande quantité.
je remplirai ce temple de beauté. Donc là, il est en train de parler de vous déjà. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. En effet, l'argent est à moi, l'or est à moi, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dans ce lieu, je vous donnerai la paix. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et comprenez bien, Église, le projet de Dieu, c'est que l'Église des derniers temps vive une gloire plus grande que celle de la première heure. Que l'Église des derniers temps vive une gloire plus grande que celle de la première heure. Est-ce que ça vous encourage? Je vous avais dit que c'était un message d'encouragement, non? Donc un message d'encouragement, il encourage. Mais notre Papa Céleste, il est comme ça, vous comprenez? Il nous aime, il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Et vous savez, la Bible dit, c'est Jésus qui dit ça dans Jean 15, quand on porte beaucoup de fruits, on glorifie Dieu, hein, et on témoigne ainsi qu'on est les disciples de Jésus-Christ. C'est lorsqu'on porte beaucoup de fruits. C'est vraiment un principe du royaume. Il y a la surabondance de la grâce. Dieu désire qu'on puisse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Regarde ton voisin, dit, le Seigneur aimerait que ton âme prospère. D'accord ? C'est un mouvement de Dieu. En toute chose, l'Esprit nous transforme de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur. Amen. Yes. Il y en a qui parlent de leurs cheveux, là. Est-ce qu'on peut prier pour les cheveux de nos frères, s'il vous plaît ? Mais à voir, ça vous préoccupe quand même. Hein. Je vais vous dispenser un petit cours d'histoire. Je pense que, vous savez, chaque bénédiction a un contexte. Donc c'est important de saisir les contextes pour obtenir aussi les bénédictions. Donc il y a un petit cours que j'aimerais vous donner. Vous savez, le temple de Jérusalem avait été détruit par les Chaldéens en 587 avant Jésus-Christ. Le peuple de Juda, à ce moment-là, est emporté en déportation. Emporté en déportation, ça fait déporter. Voilà, comme quoi on peut résumer les trucs. A été déporté à Babylone. Et puis, c'est que 50 ans plus tard, assez vite quand même, hein, si on réfléchit. Il y en a qui ont plus que 50 ans ici. Donc, 50 ans après la démolition, en fait, ce qui se passe, c'est que le peuple juif connaît la faveur du roi Cyrus qui autorise la reconstruction du temple. Donc, ils retournent comme ça en Israël. Et ils se sont affairés à rétablir, premièrement, l'autel des holocaustes. Et puis, ils ont mis les fondements du temple. Mais ils n'ont pas bâti le temple en lui-même. Et 16 ans vont passer. Les rois vont changer. Ce sera donc Darius qui va devenir roi. Et là, on est à la deuxième année de ce roi Darius. Et c'est là que l'Éternel interpelle son peuple. Donc, dans Agée 2, la première chose que le Seigneur va faire, c'est qu'il va placer le peuple en face de son histoire, en face de ses réalités. Et moi, j'imagine la scène. Je suis comme Laura, moi, j'aime imaginer les choses. J'imagine ce peuple qui est là devant ces ruines. Vous savez, ils voient des pierres qui sont un peu éparpillées comme ça. Ils voient des pierres qui sont calcinées par le feu. Ils voient des pierres qui ont été brisées, tu sais. Ils voient là des grosses poutres qui ont été à moitié brûlées et puis autrement qui ont été ravagées par le temps. Ils voient ça. Et qu'est-ce qu'ils voient en fait? Ils voient deux réalités. Deux réalités dans leur histoire. La première, c'est qu'ils se souviennent de ce temple glorieux. C'était le temple de Salomon. Et alors là, vous voyez, ils commencent à imaginer, à repenser à leurs images d'enfance. Ceux qui étaient, il y a 50 ans, qui étaient des petits-enfants, qui étaient là, qui couraient avec d'autres, et qui couraient dans la foule. Ils se rappellent de ces gens qui venaient en pèlerinage, de leur famille. Ils se rappellent des bruits, des odeurs, tu sais, des marchés qu'il y avait, des choses. Tout ça, ça revient à leur mémoire. Et puis tout d'un coup, cette pensée de la gloire passée crée en eux une espèce de nostalgie. Mais ils se rappellent d'une deuxième réalité aussi.
c'est celle de la destruction de ce temple. C'est celle où les Babyloniens ont envahi le pays, où ils ont été violents, où il y a eu des morts, il y a eu des déchirements, il y a eu des pleurs, des cris. Les odeurs, les images ne sont plus les mêmes. Ils se rappellent de cela, ils se rappellent de ce sentiment qu'ils ont eu que Dieu les avait abandonnés. Et comprenons bien, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été déportés pendant 50 ans. Aujourd'hui, ils sont là à Jérusalem, mais leur cœur est comme marqué, ils sont marqués dans leur chair. Ils sont marqués par leur histoire. Et j'aimerais vous dire, Église, qu'on doit comprendre une chose qui est importante. C'est que pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu, pouvoir entrer dans la gloire que Dieu prépare, vous savez, on doit laisser le passé derrière pour pouvoir entrer dans le futur. On doit confronter ce passé. Ce n'est pas toujours simple. Mais c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir accès à la suite. Et c'est véritablement une clé à comprendre. Parce que vous savez, notre chair, on est tous faits de chair. Hein. S'il y en a qui ne pensent pas être de chair, venez vers moi. Je vais vous le prouver là tout soudainement. Mais dans notre chair, comment ça se passe? Ça se passe que notre histoire va marquer notre futur. Elle marque notre présent. Parce qu'on est tous finalement le produit de ce qu'on a vécu. Vous savez, et nos actions, nos réactions vont finalement être le résultat de ce qu'on a vécu, entre ce qui est bien, pas bien, etc., ce qui nous a marqué, etc. Mais la réalité, selon la parole de Dieu, c'est qu'on n'est plus appelé à marcher selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. Donc, on est appelé à aller au-delà de ce qu'on a vécu, à guérir de notre passé, à passer à autre chose. Alors, je veux bien que ça peut être compliqué pour celles et ceux qui ont été comme marqués au fer rouge dans leur chair. Et je ne veux pas minimiser ce que vous avez vécu. Ce n'est pas de dire c'est rien. Mais il y a un choix de vie à faire. Vous savez, je me rappelle de Jésus. Jésus qui s'approchait de Marthe et Marie. Vous savez, leur frère Lazare était mort. Jésus arrive devant cette tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré avec Marthe et Marie. Il était vraiment triste. Il était vraiment choqué, touché par ce qu'elle vivait. Et les larmes de Jésus étaient sincères. Et je crois, frères et sœurs, vous qui avez été blessés, vous qui avez vécu des souffrances, Jésus pleure avec vous de cela. Mais Jésus, il ne s'est pas contenté de pleurer, de repasser 6 mois plus tard pour repleurer, 2 ans plus tard pour repleurer. Jésus n'a pas laissé Lazare dans la tombe. Jésus ne veut pas te laisser dans la tombe. Il va dire à Marthe, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans ce lieu? Parce que le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Et toi qui peut-être as des blessures, as des choses violentes qui se sont passées dans ta vie, est-ce que tu es d'accord ce soir que le Saint-Esprit te console? Est-ce que tu es d'accord ce soir de revêtir une nouvelle identité? Une identité que te donne le Saint-Esprit et que te donne pas le péché? Quand on est marqué par des blessures, par des choses, des injustices, quelles qu'elles soient, hein, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont bonnes, comprenez bien. C'est des œuvres de l'ennemi, c'est des œuvres du péché, c'est des œuvres de la chair. Lorsqu'on reste dans celle-ci, on est comme marqué par la chair. Lorsqu'on reste planté dans celle-ci, c'est comme s'il y a quelque part, comme si Lazare était resté dans la tombe. Parce que c'est des choses qui nous enchaînent dans la mort. Parce qu'elles ne nous permettent tout simplement pas d'entrer dans la gloire que Dieu a prévue pour nous. Elles ne nous permettent pas cela. Et je crois que ce soir, le Seigneur crie le nom de plusieurs personnes. Et il leur dit, sors! Je me suis retenu de crier. Hein. Je ne suis pas dans les yakas. Je suis en train de te dire, fais un choix, sors. Je ne suis pas dans les yakas. Je suis en train de te dire que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout va aller de mieux comme ça du jour au lendemain. Vous savez, quand Lazare, on ne le dit pas souvent, hein, mais Lazare, il a dû avoir quelques soins quand il est sorti de la tombe. Vous saviez ça? Le premier soin, c'était parce qu'il était un peu comme momifié, vous savez. On l'avait enroulé de papier de toilette, là, et quand il est sorti, c'était un peu comme ça, tu vois. Donc il a fallu le soigner, il a fallu prendre soin de lui. Mais son identité était déjà différente parce qu'il est sorti de la tombe.
son identité était différente parce qu'il n'était plus dans la mort. Il n'était plus Lazare, le gars malade qui est mort. Il était Lazare, le gars qui est ressuscité et que la gloire est devant lui. Amen. Il y a aussi l'expérience qui peut nous empêcher d'entrer dans les nouvelles saisons, vous savez. Il y a des gens, c'est parce qu'ils se souviennent avec gloire des réveils passés. Il y en a parmi nous qui se rappellent de réveils passés, que ce soit Toronto ou d'autres qui sont plus vieux. Et tu sais, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'était tellement bien, on a vécu tellement la gloire de Dieu, tu sais, puis on ne revivra plus jamais ça. » Dans leur cœur, ils disent « Oh, tu sais, mais nous, ce qu'on avait vécu, c'était tellement bien. » Tu sais, tu peux avoir un truc glorieux à côté, mais ils sont là « Oh, mais nous, ce qu'on a vécu. » Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont marqués par le passé parce qu'ils ont prié pour des malades, parce qu'ils ont prié pour des gens. J'enlève ça, moi je dois faire le ménage ici, n'importe quoi cette église. Donc il y a des gens qui ont prié pour des malades qui sont pas guéris, il y a des gens qui ont prié pour des morts qui sont pas ressuscités, il y a des gens qui ont prié pour plein de choses, tu sais, puis qui sont là, puis qui... Ah non, mais ça marche pas. Tu vois, et ils vont rester dans le passé avec cela. Et à cause de ça, ils vont pas rentrer dans la gloire de Dieu, dans les projets que Dieu a pour eux. Vous savez, le Seigneur nous dit que lorsqu'on tourne nos regards vers lui, on rayonne de joie. On rayonne de joie. Et vous savez, j'aimerais citer un texte d'Ésaïe, un texte que j'aime beaucoup. Et je crois qu'il peut très bien aller avec ce texte d'Agé et puis il peut très bien aller pour nous dans nos vies. Ce texte d'Ésaïe dit « Maintenant, dit le Seigneur, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas ? Ésaïe 43, versets 18 et 19. Quelqu'un devrait déclarer, sèche tes larmes, ça s'en vient. Oh, allô ? Je crois que j'ai eu un coupage de micro. Quelqu'un devrait déclarer, sèche tes larmes, ça s'en vient. Alléluia, alléluia. On va tester encore le micro là dans quelques secondes, vous avez de la chance. Ce soir, j'ai envie de vous faire travailler. Vous allez voir, on va faire des maths maintenant. Parce que dans le texte d'Agé, le Seigneur va nous donner deux signes. Tout le monde dit deux. Wow. J'espère qu'à la maison, vous avez dit deux. Hein. Quand le peuple verra ces deux signes, tout le monde dit deux. En fait, ils sauront, quand ils verront ces deux signes, que ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Pourquoi ? Parce que ces deux signes accompagnent le réveil spirituel. D'accord ? Et ce qui est fou, c'est que dans le livre des Actes, on retrouve exactement les deux mêmes signes. Laissez-moi vous poser deux questions. D'accord ? Est-ce qu'il y en a ici, d'accord ? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une saison qui est favorable au réveil ? Ok. Pourquoi ? C'est une vraie question, hein ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on voit les miracles qui se passent comme dans la première église ? C'est pour ça. Est-ce qu'il y en a qui dit que c'est pour ça qu'ils voient que c'est la saison du réveil ? Oh, il n'y a plus personne. Allô ? Pourquoi est-ce qu'on dit les choses ? C'est important de savoir pourquoi on dit les choses. Est-ce qu'on en voit les fruits ? Vous savez, Ésaïe disait, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, est-ce que vous ne le voyez pas encore ? Il n'y a personne qui voit rien, c'est bon. J'ai perdu tout le monde. Ok, laissez-moi vous dire un truc de fou alors. Ces deux mêmes signes, ces deux signes que l'on trouve dans le livre d'Agé, ces deux signes qui sont présents dans le livre des Actes et notamment à la Pentecôte, ces deux signes sont présents aujourd'hui. Hasard ou coïncidence ? Moi, je pose la question. Hasard ou coïncidence ? Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'un. Il y en a ? Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Vous comprenez ? On rigole un peu, etc. Mais c'est hyper important. Les deux signes sont présents aujourd'hui. Les deux signes, ils sont tellement présents aujourd'hui que tous les médias du monde en parlent.
AG2. Il y en a un qui dit 2, j'en fous une. AG2, verset 6. Qu'est-ce qu'il a écrit ? J'ébranlerai le ciel, la terre, la mer et la terre ferme. Quelqu'un a-t-il entendu parler de la COP26 qui vient de se terminer à Glasgow ? Il y a des gens ? Ok, super. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler d'urgence climatique ? Ok, dérèglement climatique ? Greta Thunberg ? Ok, on est à la même, ok ? Premier signe, j'ébranlerai la terre, le ciel, la mer et la terre. Dans le livre des Actes, quand il est parlé de la Pentecôte, il nous est parlé d'un bruit puissant. Ça, c'était vraiment comme une explosion. Ça fait venir tout le monde d'ailleurs tout près de la chambre haute. Et il nous est parlé d'un vent violent qui remplit la pièce. En tout cas, quelque chose qui était comme un vent violent. Et vous savez, et je suis très content, parce que ce vent, ce bruit, cette explosion, c'est exactement ce qu'a vécu Élie dans Un Roi. Quand la présence de Dieu s'approche, quand il y a quelque chose qui se passe, il y a toujours les lieux naturels qui sont ébranlés. Il y a toujours cela. D'accord ? Vous voyez ça vraiment avec Élie et dans l'intimité avec Jésus. Alors il y a sa douceur. Il y a sa présence. C'est pour ça qu'il nous faut rechercher l'intimité plus que tout. Parce que c'est là où tu vas entendre la voix de Dieu, c'est dans l'intimité. Mais le bruit fait partie de ce que Dieu est en train de faire. Le second signe, AG2, verset 7, il dit « J'ébranlerai les peuples ». Est-ce que les peuples sont ébranlés aujourd'hui ? Pourquoi ? Covid. Mais oui, les nations sont ébranlées. C'est un truc qui est arrivé comme jamais sur la terre. Sérieux, c'est la première fois que tout le monde, comme ça, en même temps, est ébranlé par le même truc, etc. Que les présidents se mettent d'accord, etc., pour avoir des prises de décision au niveau planétaire, etc. C'est la première fois que c'est aussi violent. Les deux signes sont là. Alors, à la Pentecôte, vous savez, c'est marrant, parce que la Pentecôte, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les 120 sont sortis de la chambre haute, qu'ils ont vu tout le monde, etc., Pierre commence son discours, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Là, on se dit 3000, tu sais, franchement, ça va, quoi. Nous, on fait des salles de 3000 tous les dimanches s'il n'y avait pas le truc Covid. Tu vois, facile. Tu sais, moi, mes prêches, voilà, je veux dire. Mais ce qui est incroyable, ce n'est pas les 3000. Parce qu'il y a véritablement des campagnes d'évangélisation. Regardez avec toute l'équipe de Reinhard Bonnkes et Chris Forley, All Nations aujourd'hui. C'est des millions qui vont. Hein. Donc, ce qui est incroyable, ce n'est pas les 3000, c'est que c'était la première fois de l'histoire. Et cette histoire faisait que, pour la fête de la Pentecôte, des gens étaient là de toute nation. Et c'était des Juifs qui étaient là. Jérusalem était remplie de gens qui croyaient. Mais il y avait des gens qui étaient là. Et le Seigneur a permis que par le parler en langue, ils entendent tous parler dans leur langue. Et alors, ils sont tous retournés dans leur nation et l'Évangile a commencé à se répandre. Ça, c'était un truc puissant. Le monde, la nation était ébranlée. Alors, est-ce que Dieu a envoyé le Covid ? Non. Soyons clairs. D'accord ? Le Covid, ça vient de l'ennemi de nos âmes, ça vient du diable, soyons clairs, avec toutes les maladies. Mais vous savez ce que dit la Bible ? C'est que le serpent mord le talon de la postérité d'Ève, mais celle-ci lui écrase la tête. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Dieu agit toujours, et même quand les choses sont mal barrées, Dieu agit toujours. Il a toujours un plan A et il n'a pas de plan B. Quelqu'un devrait dire amen. Amen. Alors, ce que je suis en train de vous dire avec ça, c'est pas que ce que je vous dis, c'est forcément l'évangile. Je dis, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on discerne ? On discerne deux signes. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Hein. D'accord ? Je vais pas vous traiter d'hérétique pour autant. Allez, regardez dehors, il n'y a pas de bûcher qui sont en train d'être dressés pour ceux qui ne seraient pas d'accord. Mais j'aimerais nous rendre attentifs. Quand on discerne quelque chose, même dans le monde naturel, quand on discerne quelque chose, ce n'est pas qu'on est forcément sûr à 100% qu'on mettrait sa main à couper, mais c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'en venir. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Vous connaissez le dicton, hein ? Si tu vois une tache blanche sur le lac, méfie-toi. C'est peut-être un signe. C'est pas le même signe. Hein. Bref. Je suis désolé, je vais la faire.
Bonjour, vous qui nous rejoignez, qui êtes en ligne, vous êtes bien sur la prédication du Gospel Center La Côte. Non mais, par exemple, moi j'ai grandi dans une maison isolée. On était vraiment en pleine cambrousse au milieu de rien. Pour arriver à la maison, il y avait un chemin assez long, assez droit, comme ça, assez plat en tout cas, qui était sur 1,5 km. Et en fait, quand quelqu'un devait venir, en fait, si tu regardais au loin, tu sais, tu discernais quelqu'un qui arrivait. Donc, mais tu n'étais pas forcément sûr que c'était cette personne-là. Par contre, tu sais, quand tu attendais quelqu'un, par exemple, pour le repas ou comme ça, que tu avais invité un ami, etc., tu le voyais arriver au loin. Quand c'était en voiture, tu voyais aussi, ça allait un peu plus vite. Mais quand, autrement, quand c'était à pied, tu le voyais arriver au loin, d'abord, tu regardais. Tu sais, tu regardais l'heure, tu disais, ça correspond à quelque chose. Tu vois, ça correspond à l'heure où il doit arriver. Mais est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Alors tu devais attendre un peu. Puis plus il se rapprochait, ton coup, tu commençais à te dire, ça doit être sa silhouette quand même. Et puis tu regardes, plus il se rapproche, puis ton coup, tu dis, mais ça doit être sa démarche. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que tu es attentif, parce que tu sais que quelque chose doit se passer. Quand tu sais qu'à la fin des temps, un réveil doit arriver, tu dis, on va commencer à regarder quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des signes qui nous montrent quelque chose? Puis moi, je me dis quand même, ces signes qui sont là avec le prophète âgé, ces signes qui sont là à la Pentecôte, qui sont là gros comme des maisons, ce truc. Tu dis, c'est peut-être un hasard. C'est possible. C'est possible. Mais celui qui ne s'attend pas au réveil va réagir par rapport à ces signes de manière charnelle. Mais quand tu t'attends au réveil, quand tu t'attends à ce que Dieu intervienne, alors là, tu vas peut-être dire, c'est le moment que je me mette à la disposition du roi des rois. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trier ses déchets, les amis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire gaffe avec le Covid, etc. Mais honnêtement, c'est quoi le plus urgent? Sauver la planète ou sauver des âmes? C'est quoi qui est le plus urgent? Vous savez, ce qui est intéressant avec l'histoire d'Agé, c'est que le contexte est à peu près semblable au nôtre. Il y a une réalité qui est semblable à nous. Vous savez que dans la Bible, Babylone, ça représente, en fait, ça désigne le monde déchu. D'accord? Le monde sans Dieu. Le monde qui est livré au prince de ce monde, à Satan. Donc, il va y avoir une confrontation entre l'esprit du réveil contre l'esprit du monde, en fait. Et dans ce texte, en fait, bien que le peuple d'Israël, de Juda, en fait, en l'occurrence, soit à Jérusalem, il est toujours sous le joug de Babylone. Il est toujours sous cette oppression-là. Si bien que Zorobabel, en fait, c'est un prince de Juda, c'est le petit-fils du roi Jéconias. Et c'est intéressant parce que pourquoi est-ce que Zorobabel, il n'est pas roi et qu'il n'est que gouverneur? Parce que c'est Babylone qui commande. Et d'ailleurs, son nom signifie « rejeton de Babylone ». Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si on vous traite de rejeton de quelque chose, si quelqu'un vous dit « vous êtes un rejeton du Gospel Center La Côte », ce n'est pas forcément un compliment, d'accord? Si tu es un héritier de quelque chose, alors on le voit bien. Mais un rejeton, il y a quelque chose de méprisant. Zorobabel, le rejeton de Babel, le rejeton de Babylone. D'accord? À pas confondre avec Zorobabibel, qui est un petit fromage masqué. D'accord? Donc, je devais la faire aussi, celle-là, franchement. Donc, depuis Cyrus, avec maintenant, en fait, Darius, les autorités sont plutôt favorables au peuple de Dieu. Mais, même s'il y a une certaine faveur, tu vois qu'ils ne sont pas vraiment libres. Et ce qui se passe, c'est que le peuple de Juda se dit, mais si on met trop de zèle à reconstruire ce temple, si on met trop d'emphase pour le reconstruire, ils risquent de nous tomber dessus. Tu sais, si tout d'un coup, ils voient qu'on fait un truc trop glorieux, etc., ils vont venir, puis ils vont... Donc, ils ont cette peur-là, ils ont cette crainte-là. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas se remettre à l'ouvrage. Et c'est pour ça que Dieu va leur dire, mais je suis avec vous. Regardez, je vous ai donné des signes. Regardez, je vous confirme des choses. Je suis avec vous. Je serai avec vous. Mon esprit est avec vous. C'est beau comme il dit ça. Et à quelque part, qu'est-ce qu'il en est chez nous en Suisse? Qu'est-ce qu'il en est?
Il y a cette confrontation qui existe entre Babylone, l'esprit du monde, et l'esprit du réveil. Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on peut dire qu'en Suisse, nos autorités sont plutôt favorables à l'Église. Vous êtes d'accord? En même temps, depuis de plus en plus de temps, vous savez, ils sont favorables pour autant qu'on soit discret. Si tu fais de l'évangélisation, tu es accusé de prosélytisme. Si tu te positionnes, par exemple, sur le mariage pour tous, on va te dire que tu es un homophobe. Si tu sais, être de plus en plus, en fait, oui, il y a la faveur, pour autant que tu sois discret. Pour autant que tu restes un peu comme ça, tu vois, un peu de côté. Alors c'est vrai qu'on a encore été bien traités pendant la crise sanitaire, les églises, par rapport aux restaurateurs. On a pu, ça n'a pas toujours été évident, hein, mais on a quand même pu avoir des assouplissements assez rapides. Mais c'est assez intéressant, les amis, parce que quand on y réfléchit, la France, qui est un pays laïque, vous savez, sa religion, c'est la laïcité. Hein. Chez eux, c'est vraiment clair. Et bien, vous savez que l'Église a eu plus de faveur que nous. J'ai encore eu Benjamin Peter Schmidt au téléphone, il m'expliquait qu'en fait, les seules exigences, c'était d'avoir un masque à l'entrée de l'église. Il n'y a pas l'histoire de distance, il n'y a pas l'histoire de passe sanitaire, il n'y a pas l'histoire de tout ça. Parce que l'église est protégée dans la Constitution en France. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se dit, ah la Suisse, il n'y aura jamais de problème. Vous savez, on se dit, ah mais ça va, on est dans un pays libre, et puis c'est vrai, rendons gloire à Dieu pour ce qu'on vit. Mais la réalité, c'est qu'il faut que nous travaillions pendant qu'il fait encore jour. Les choses risquent de changer. Vous savez, Judas, il se disait, ah, les Babyloniens, ils ne nous emmèneront jamais. On a le temps, puis il y a la présence de Dieu. Et quand ils sont partis en déportation, ils étaient étonnés. Mais c'était une conséquence de quoi? Une conséquence qu'eux se sont détournés de Dieu. Parce qu'ils n'ont plus voulu de sa faveur, parce qu'ils n'ont plus voulu de sa grâce. On a une alliance en tant que peuple suisse, au nom du Dieu Tout-Puissant. Prions pour que nous restions fidèles à cette alliance. Vous savez, et ce qui se passe, c'est que à Jérusalem, ils sont dans cette pression, à quelque part, de la part de Babylone. Puis ils vont se contenter d'une vie spirituelle moindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même rétabli le lieu pour les sacrifices, pour les holocaustes, mais le temple n'est pas là. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que leur vie sociale soit axée autour du temple, leur vie du pays soit axée autour du temple, en fait, ils vont se retrouver un peu chacun chez soi. Chacun va investir pour sa propre vie. Chacun va commencer à développer, tu sais, son confort. Et il y a tout un reproche de Dieu dans Agé 1 où il dit, mais vous avez des super baraques et il n'y a même pas de maison pour l'Éternel. En fait, vous savez, c'est vraiment ce que fait l'esprit de Babel. C'est qu'il isole les gens. Qu'ils soient dans leur truc religieux, que ça leur fasse du bien, qu'ils ne dérangent personne. Pour qu'ils soient un peu chacun de leur côté. Et puis, au lieu d'avoir une vie spirituelle commune, une vie forte, ils ont une vie spirituelle individuelle, personnelle. Alors, toute comparaison avec des situations ayant pu exister ou existant, hein, serait pure coïncidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que Babel agit ici? Si on est honnête, franchement, même pour les évangéliques chez nous, ça nous ressemble quand même pas mal, non? Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve? On boude? On crie? On pleure? Ah! Sèche les larmes parce que ça s'en vient. L'Éternel, lui, il a un autre projet. L'Éternel dit, mais je vais réveiller l'esprit de mon peuple. Et on va prier pour cela ce soir, Église. Je crois que Dieu veut réveiller l'esprit de son peuple. Et qu'est-ce qui s'en vient lorsque le réveil est là? Ces disciples, ils sont courageux. L'opposition, elle est violente hein, dans le livre des Actes. Pourtant, eux, ils sont là, ils prêchent. Ils prêchent l'évangile. Ah, on les met en prison? Ok, mais dès qu'ils ressortent, ils retournent prêcher exactement au même endroit. Oh là, ça, c'est du courage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent tout en commun, ils vivent une communion qui est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que nous, on doit tout mettre en commun, je ne suis pas en train de dire ça. Mais peut-être qu'il y a un temps qui va être défavorable, tellement défavorable que la communauté sera une réponse. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une puissance spirituelle lorsque le peuple de Dieu est réuni. Parce que Dieu met son onction sur un peuple. Un édifice spirituel, vous savez, c'est quand les pierres sont au centre. Autrement, on appelle ça des ruines.
on reconstruit le temple. On en arrête les hauts lieux, parce que ça honore pas Dieu. On reconstruit le temple. Et eux, qu'est-ce qui se passe après tout cela? Ils sont ensemble, ils sont courageux. Et ils vivent le miraculeux au quotidien. Tu sais, ils vivent autant le miraculeux que moi, je bois de café. C'est pour vous dire, il y a de l'abondance, frères et sœurs. D'accord, il est temps de changer de priorité. La Bible dit, Dieu leur dit, allez, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, c'est le temps de changer de priorité. C'est le temps de vous occuper des affaires de mon Père. Amen. Amen. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'un bon outil fait le bon ouvrier. Vous savez ça? Allô? Vous ne connaissiez pas ce proverbe? Les bons outils font les bons ouvriers? Vous sortez d'où? Il vous faut sortir de temps en temps le soir. Dans les bons chantiers, on entend ce proverbe. Hein. Vous savez, parce qu'on parle de reconstruire le temple. Mais évidemment, à l'époque, c'était simple. Eux, ils savaient, hein, ils voyaient une pierre, c'est simple. Tu sais, tu t'alignes des pierres. Mais comment ça se passe pour nous, pour l'Église? On va reconstruire avec des outils spirituels. Et les outils nous sont donnés dans la Bible. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 12. Ce sont les dons spirituels. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de foi, don des guérisons, don des miracles, don de prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation des langues. J'en ai pour à peu près 5 minutes, ça peut jouer. C'est bon? On va développer encore des choses aussi pour les bases par rapport à ces outils-là, par rapport aux dons spirituels. Parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de bon à reprendre. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. C'est-à-dire rechercher avec zèle les dons les meilleurs. Alors c'est quoi les dons les meilleurs? C'est quoi les dons les meilleurs? Eh bien je vais vous dire, ça dépend de pourquoi vous allez travailler. Vous savez, si vous avez un super marteau piqueur avec double pneumatique, machin, qui ne fait pas de bruit, mais que tu dois poncer un meuble, je te jure que ton marteau piqueur, il peut se faire le plus performant du monde, il va te servir à rien. Parce qu'on comprend le principe qu'il y a derrière. Quand ton collègue, si ton collègue, il te partage une situation qui est difficile dans sa vie, et puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. C'est parce que quand tu pries, en général, t'es plus efficace que quand tu pries pas. Ça, il y en a qui devraient prendre des notes. Je dis ça pour moi. Tu pries, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, ton coup, le Seigneur, il te révèle quelque chose qui s'est passé dans sa vie, donne une parole de connaissance. Et là, dans l'amour, la grâce, la joie, tu lui dis, voilà, il s'est passé ça et ça dans ta vie, n'est-ce pas? Etc. Et je vais vous dire que la personne, elle va être touchée, elle va être étonnée. Et là, son cœur, il sera ouvert pour recevoir l'Évangile. Vous savez, mais nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Vous savez, nous, en général, tu vois quelqu'un dans une chaise roulante, si tu penses que tu dois prier pour elle, tu vas prier pour qu'elle sorte. Puis peut-être le Seigneur veut là aussi te donner une parole de connaissance, mais pourquoi pas? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une bonne parole, libérée au bon moment, dans le réma de Dieu, il peut avoir des conséquences de ouf. Vraiment. Et ça peut amener une guérison totale, physique et complète. Mais ça doit toucher des fois le cœur en premier. Vous savez, parfois à cause du passé, on n'utilise plus les outils. Vous savez, quand j'avais commencé un apprentissage sur les chantiers, j'avais arrêté, ça me faisait trop mal. Non mais vous connaissez, on avait un truc, c'était le burin-massette, vous savez, des ciseaux à pierre avec la massette, la petite masse. J'avais dit, on m'avait offert une caisse à outils, ils étaient tout neufs, mes outils étaient beaux. Mais je vais vous dire un truc, au début, la massette, elle faisait plus de mal à ma main qu'au mur. Hein. Mais maintenant, donnez-moi ça, je vais vous démonter votre mur là en moins de deux. Hein. Pourquoi? Parce que j'exerçais. Vous croyez que Timothée, le premier jour où il a pris sa guitare, il jouait comme ça? D'accord, ok, bon. Vous croyez que... Non. Sérieusement. Il faut persévérer. Et d'ailleurs, il joue pas assez, parce que là, il a un petit peu mal au doigt. C'est la preuve qu'il joue pas assez d'habitude. Parce qu'il faut encore la batterie. Mais nous avons tous cette caisse à outils à notre disposition. Et je vous promets qu'il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser. Bien sûr, le Seigneur a prévu qu'on puisse aussi travailler ensemble. Et puis que des fois, on ne soit pas très doué avec un outil, puis que tu as l'autre qui est doué avec, etc. Parce que c'est la gloire de Dieu.
mais Dieu ne va pas vous lâcher. Moi, j'étais très touché dans ce texte parce que, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, je suis avec vous, mon esprit est avec vous. Ça, c'est la promesse que Jésus fait à son Église. Mais au-delà d'être avec nous, son esprit était en nous. Et son esprit est sur nous par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Zorobabel ici? Si vous cherchez des prénoms originaux, enfin, plutôt Zoro Gospel, du coup. Ou Zoro est arrivé. Est-ce qu'il y a des... Pardon. Moi, j'aimerais vous encourager. Dieu dit, mais prenez courage. Courage, Alain. Courage, Alain. Courage, Benjamin, fils de Jérôme. Courage, Maxime, fils de Timothée. Courage. Courage, Ménélique. Courage, Gospel Center La Côte. Quelque chose de bon s'en vient. Quelque chose est en train d'arriver. Le Seigneur Dieu de l'univers est avec nous. L'Éternel des armées est avec nous. Qui c'est qui dit que c'est trop tard? Mais qui c'est qui dit qu'il aimerait qu'on puisse réveiller l'esprit ce soir? Qui dit, moi j'ai besoin que l'Éternel réveille mon esprit? J'aimerais vous inviter toutes celles et ceux qui le veulent à se lever. On veut briser vraiment cet esprit de Babylone. On ne veut pas se laisser emporter par le mal. Moi, je n'ai pas envie que ce soit Babylone qui règne sur ma vie. Je ne suis pas un rejeton de Babylone, moi. Je suis un fils du Dieu très haut. Amen. On prie, je vous invite à la maison aussi à vous lever si cela vous concerne ce soir. Mais on veut prier pour que le Seigneur libère sa faveur et sa grâce. Seigneur, moi je veux te dire merci. Merci parce que tu nous permets de pouvoir être attentif aux signes que tu donnes. Et merci pour les promesses qui sont là et qui s'en viennent. Tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même Dieu qui était avec cette équipe de Zorobabel, de Josué et de tout ce peuple de Juda. Tu es ce même Dieu qui tient ses promesses, ce Dieu dont l'or et l'argent lui appartiennent. Le Dieu qui a les clés de l'univers dans ses mains. Qui est le Dieu qui commande à tout esprit mauvais de partir. Le Dieu qui commande au ciel et à la terre de trembler. Tu es ce Dieu de gloire, ce Dieu extraordinaire. Et Seigneur, je te prie de réveiller l'esprit. Réveille l'esprit de cette église, Père. Afin que nous ne nous trouvions pas à œuvrer dans des choses qui ne sont pas de toi. Mais que nous puissions entrer, Seigneur, dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Dans ce réveil que tu as préparé d'avance. Parce que nous le savons, le réveil, il ne va pas arriver comme ça un matin, on va le voir. Le réveil, il va arriver parce que tes hommes, tes filles et tes fils se mettent en route et se mettent à travailler pour la gloire de ton nom. Je te prie, Père, de pouvoir libérer les dons spirituels au milieu de nous, Seigneur. Qu'on puisse avoir ce zèle aussi. Qu'on puisse avoir ce zèle de pouvoir exercer ces dons-là. Seigneur, que tu puisses multiplier les occasions de témoignage. Que tu puisses multiplier, Seigneur, les occasions qu'on a de pouvoir libérer ta faveur, ta grâce et ton royaume. Seigneur, qu'on puisse guérir des gens. Qu'on puisse chasser des démons. Qu'on puisse guérir des lépreux, Seigneur. Que les milieux professionnels, les milieux privés, les hôpitaux, les EMS, Seigneur, soient marqués par ton royaume. Et on veut, Seigneur, aussi vraiment libérer les ressources financières. En disant, Seigneur, on veut croire que tu pourvois. Seigneur, on veut croire que notre sécurité, elle n'est pas dans notre job. Elle n'est pas dans ce qu'on peut faire, Seigneur. Notre sécurité, elle est en toi. Seigneur, merci parce que tu es en train de nous lever pour marcher de gloire en gloire, pour marcher de victoire en victoire. Seigneur, que nous ne marchions jamais sans toi. Et Seigneur, merci parce que tu es notre roi et tu règnes. Et nous voulons dire que nous reconnaissons que tu es l'Éternel des armées, le Seigneur de l'univers. À toi soit la gloire, la louange, l'honneur au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Amen, que son nom soit glorifié. Merci.